Aujourd'hui, je vais reprendre mes habitudes. Hein. Je crois que je vais carotte des gens. C'est parti. Attends. Ouais, tu fais quoi devant moi là? Qu'est-ce que tu me fais? Ouais, tu me prêtes ton téléphone pour appeler ma mère, s'il te plaît. Quoi? Tu me prêtes ton téléphone pour appeler ma mère, s'il te plaît. Allô? Oui, je t'appellerai. Oui, je t'appellerai. Ouais. Vas-y, appelle. Tu as appelé qui? Ma mère. Ta mère? Tu sais quoi le numéro? Ouais. Aïe aïe aïe, abonnement Bouygues Télécom. Dans mon sac là, putain! Ben non, je la bataille d'eau, elle était trop chaude! Ouais! Purée, c'est pété ça, ben non, je vais. Hey, Yaya! On nous a lâché! Ça va, la chair! Hey, Yaya, viens, viens! Qu'est-ce que t'as, toi? Mais attends, tu oses me dire ça? Moi, je t'ai pas un bouffon quand tu lâches tout le monde, ça me tarde. Moi, on t'arva. Moi, je suis un thug life. Thug life. Ferme ta gueule maintenant, tu traînes avec des meufs, c'est ça ton gang. Ferme ta gueule, au moins, moi, je cherche des gosses, ça le plus fort. Eh, aucune go t'aime avec tes chicots, là. Moi, je te le pète. Ouais, tu veux le péter à toi. Je te le pète, moi, je te fais le bas. Stop, tu vas pleurer. Viens, stop, viens, va dans le bat maintenant. Viens, va dans le bat. Ah, mais toi, tu fais trop le chaud. Je te fais le chaud. Eh, déjà, lâche-moi. Toi aussi, lâche-moi. Continue. Dans deux minutes, tu vas voir ce que je vais faire. Ils me prennent pour un PDE. Ils vont voir. Eh putain, ce fou aussi, il marche pas là. Oh là là, c'est la galère ici. Hein. Oh là là. Eh, hey, Yaya, viens. Cours, cours, toi. Qui t'a passé cette sacoche là? C'est un grand de la cité. Un grand de la cité, t'as passé ta sacoche? Oui. Toi, t'es un gros mytho. Pas un mytho. Quoi? Un grand de la cité va se... Ah putain! Un grand te passe sa sacoche avec son téléphone. Oui. En plus 10 euros. Ouais. Toi t'as volé ça. Eh hey, quand je te pas, tu me gâtes. Toi t'as volé ça. Non. T'as volé. Non. T'as volé. Non. Putain, ce petit me prend pour un bouffon. Attends. Voilà. La carte Navigo, c'est pas un grand de la cité. C'est qui alors? Je connais sa tête. Soriba, viens ici. On va voir Soriba. Viens ici. Où est-elle, ma sacoche? Eh, grand frère, je te jure, ta sacoche, je te l'ai volée. Comment ça, wesh? C'est un petit con, il m'a volé. Il a fait comment? Je sais pas, moi. Je parle au téléphone, après, il y a un petit con, il est venu. Il est passé en douce. Après, il a pris la sacoche. Putain, voilà, mon frère. Elle est dans la sacoche. Elle a vu tous mes trucs, wesh. Voilà, excuse. Tu quoi? Elle va dire quoi avec tout? Vas-y, on va aller chercher. Vas-y. Vas-y, viens, avance. Hey, Rimkus, bien ou quoi? Ouais. Hey, ce petit-là, son voleur de ouf, il a dépouillé toute la cité. Ce petit-là. Il est con, il a son voleur, t'es ma ta sacoche, je l'ai retrouvé. Ouais. En plus, dedans, il y a un téléphone et il y a ta carte Navigo qui est dedans. Bon, vas-y, tiens. Il y avait 10 balles, mais tu vois, c'était pas à toi. Je suis, c'est... Toi, t'es au chômage, non? Le téléphone, bah, c'est pas à toi. Il a dépouillé un gars, bah moi je le prends pour moi, tu vois mon gars. Au calme mon gars, les 10 balles, bah. Eh vas-y viens, on y va. Petit con, en fait. Eh, 10 balles, c'était pas à moi. Putain, c'est... ouais, c'était à moi. Au voleur! Voleur! Eh, grande soeur, j'ai un secret à te confier. Ouais, dis.
Tu vois, l'année dernière, quand t'étais pas là, je voulais des sacoches, des téléphones, tu m'as connu. C'est mieux pour toi. Et je voulais te dire, est-ce que je peux aller à une fête là, c'est quand? Aujourd'hui. Avant d'y aller, achète-moi un capucin. Ok, merci. Hey, y'a, il prend trop de temps. Y'a, pas trop de temps. En plus, c'est la fête du quartier, il fait chaud, ça. Ah, mais c'est bon, on n'a pas d'argent pour partir à la fête du quartier, comment on fait? Faut qu'on se vole un petit téléphone, on se le fait 30 balles, t'as capté ou pas? Vas-y, viens, avance. Allô? Ouais, t'es où? Ah, moi, c'est Kodumi, je t'attends au parc tout à l'heure. Arrêtez de me regarder comme ça, hein. Bande de connards. Oh, c'est bon, tu regardes même pas. Ah ouais. Le petit Dovou là, juste à côté là. Mon bimbeu. C'est pas toi. C'est toi, il y a un gars qui me regarde et tout. En tout cas, c'est mon numéro, je vais le passer. Ouais. Moi, j'ai pas le temps, moi. Je vais bouger, moi. Vas-y. Darko, je crois que c'est la bougie. Ouais, c'est la meuf, c'est la bougie. Viens pas se prendre. Prends le téléphone, prends le téléphone. Viens, prends le téléphone, prends le téléphone. 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 Viens, jette, jette. Moi, je te donne 30 balles. Vas-y, t'es con ou quoi? 20 balles, t'es bête ou quoi? T'es con ou quoi? 30 balles. Genre, mais t'es pas les salles. Et genre, tu vas t'abri? Non. Ben, tu sais quoi, on va demander à mon petit frère parce que là, il a vite. Vas-y. Vas-y. Va, va. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ton caprizane. Attends, reviens. À quoi? T'as pas vu un téléphone au parc? Attention à toi, les petits d'ici sont rapides. Comment ça, rapide? Ils voient un téléphone, ils viennent prendre le parc avec. C'est fini. Putain, je sais pas comment. C'est mort, hein. Ton téléphone, tu l'as perdu. Wesh, mais pourquoi Derko et Mamadou courent? Oh, c'est là. Wesh, on a un téléphone. Et voilà, on a pris ton téléphone. C'est malade. C'est malade ou quoi? C'est ton père qui est malade. Fais voir le téléphone. Eh, mais c'est le téléphone à la portée à ma grande sœur. Donne ça là! Donne-la! Donne! Attends. Les gars là, avec si ma soeur elle s'est achetée de la merde, hein! Avec ce téléphone ça là, avec ce téléphone on va aller à la soirée! Il n'y a plus d'histoire de soirée là! Si ma soeur elle trompe, c'est fini! Ah, soirée! Attends, faut voir. Je vais te fessier deux fois, hein! Ouais, je vais te baiser! Putain, on l'a perdu. Soirée mort, téléphone mort, argent mort. Vas-y, viens, vas-y, viens. Ah, vous êtes là. Tu vas jamais deviner ce que j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Ton téléphone. Oh, merci. Tu as trouvé où? T'inquiète. Mais qui t'a passé le téléphone? T'inquiète aussi. Et ma veste? Déjà, je te remets ton téléphone, t'es pas assez contente comme ça. C'est gentil, merci. Bon, moi, je pars à la fête. Laissez-moi mes potes. Ah oui, et aussi, je voulais vous dire qu'ici, les petits sont rapides. En ce moment, dans la cité, tout le monde veut me pister. J'ai volé des sacoches. J'ai volé des téléphones. Je les ai douillés, je les ai piquants. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Jure, je vais tout faire. Il va te protéger, t'inquiète, tout ça. Hey, le gars là-bas, il est bizarre, hein. Il marche, on dirait qu'il est constipé. Hey, je vais aller le voir, là. Bendo, ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec mon fils. Il aime trop les meufs. Oui. Oui, est-ce que tu voulais me dire?
Est-ce que t'as vu Yaya? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi tu le cherches? Parce que la dernière fois, j'étais au grec. Après, je suis partie faire pipi. Quand je suis revenue, il y avait plus mon grec et après, lui, il est parti. Moi, je te dis, fais gaffe à lui. En plus, il aime trop voyager. Ça se trouve, il est même pas en France. En plus, la dernière fois, il a mis les frites dans ses fesses. Arrête la drogue. Vas-y, toi, t'es con. T'as toujours été con. Tu continues à rester con. Là, je vais chercher Yaya. Vas-y, je peux t'aider, non? Non, vas-y, je sais rien. Ah ouais, je suis con. En plus, des cons. Ah ouais, je sais même pas comment j'ai fait pour être con. Ah ouais. En mode bang bang, en mode bang bang, en mode bang bang, en mode bang bang. T'as pas vu le petit Yaya? Non, mais j'ai vu le gros Yaya. T'es con ou quoi? Ah ouais, c'est frais d'être con. Con, 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 con. C'est qui ta relation là? T'inquiète, moi je connais des gens en mode bang bang, frère. Comment tu sais tout ça? T'inquiète. Ton beau-frère va venir, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. T'as les choses en mode bang bang. Bon, vas-y, on bouge. Bon. C'est lui ou quoi? On bouge. C'est bon. Non, d'abord, on fume. On a pas les problèmes, je crains. Ouais, Jojo. Bien quoi? Wesh. Comment couche ton sa messagerie? Putain, attends, je vais niquer lui. Vas-y. À toi là. Oui. T'as vu le tien, toi? Pourquoi? Parce que gros, il a volé mes chaussures, hein. Ma partie hier, elle était toute neuve, hein. Le prochain, mon gars, tellement il est plus, mon gars, je peux même plus récupérer. Ah ouais. D'accord, ah ouais, je suis sérieux là, wesh. Ah ouais. Alors, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Où? Sur Snap. Wesh, comment ça, il est le petit Yaya? Moi, je prête ma balle, il me la rend pas. C'est pas comme ça, wesh. On trouve des excuses. Ah, en plus, c'est pas la première fois. Hein. Je prête 5 euros, je veux pas me les rendre. Comment ça? Ah ouais, j'ai entendu tout ce que t'as dit. Ah ouais, tout à l'heure. Je t'ai vu, tu parlais avec Rinfus, t'as dit que t'as vu Yaya sur Snap. Oui, je l'ai vu sur Snap. C'est quoi son Snap? Je ne sais pas. Wesh, comment ça, tu sais pas? T'es fou ou quoi, toi? De toute façon, t'es le roi des cons. Oui, je suis con. Ouais, je suis quoi? Eh, je t'ai pas dit, le petit Ryan doit des tales. Eh, depuis j'attends. Eh, là, mon frère, guette mes bras, j'ai maigri là. Là, eh, dès qu'il a mes tales, mon frère, eh, je vais le baiser, tu verras. Eh, moi, je te dis, fais attention à Yaya, c'est un gangster. C'est un fou dans sa tête. Vas-y, Gims. Ouais. Je voulais te présenter un gars là. Qui est lui là? Ouais, protège-le parce qu'il y a toute la cité, veut le niquer. Il a volé, il a fait les bails en mode bang bang, frère. Ce petit Yaya là, je le connais déjà, c'est mon petit, wesh. Bah, moi, si je connais, wesh. Ah ouais, Gims, wesh. Toi, t'as vendu des bails. Ouais. Toi, tout le temps, tu tarotes les gens. Alors qu'à un moment, t'avais déjà changé tout ça. Ouais. Bon, je vais t'aider. Hein. Y'a qui? Y'a Rimpus qui te cherche aussi? Ouais. Ah, je vois le délire, c'est rien. Tu donnes 20 balles, on arrange tout ça. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas, moi, je vais te protéger. Ah, moi, je suis en fou, tu me connais pas. J'ai la tour Eiffel. Vas-y, trace, trace, trace. Ouais, comment tu mens? Aïe aïe aïe, ils sont où mes tas là? Ça fait 2 semaines là, je les attends. Tu sais à qui t'as affaire? Ça fait 2 semaines que tu me casses les couilles pour ton oseille. Là, vas-y, c'est bien, excuse. Gros, c'est la dernière fois que tu demandes ton argent. On a mangé un bon grec avec ton argent. Et repasse, tu vas voir. Ok. Mon gars, sûr, yo quoi? Non, franchement. Ah, c'est le petit Yaya, toi? Ouais. Bon, moi, j'ai un petit truc à te donner. Hein. C'est bon, l'histoire ouais, est finie. Bon, c'est terminé là. Ouais, vraiment, mes 20 balles. Pourquoi? Vraiment, wesh. Pourquoi? C'est bon. T'as dit l'histoire est finie, non? Non. Si, l'histoire est finie. Ouais, c'est pas comme ça. Comment ça, c'est pas comme ça? Wesh. T'as dit, est finie l'histoire. L'argent. Mais c'est Yaya qui te donne l'argent. Pourquoi alors qu'il passe à mes boss? Non, je faisais genre et tout, mais juste pour arranger l'histoire, tu vois. Mais go, c'est pas comme ça, non? Non, à mode bang bang, tu connais. Attends, l'histoire est finie. D'un fois, je mangeais son grec. Hey, Yaya, si je le trouve, hey, il est mort. Il verra ce que je vais lui faire. Il verra. Allez, Lilou! Yaya! Allez, Lilou! 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 T'as pas vu le petit Yaya? Non. Ok, merci. De rien.
Yaya, viens. C'est bon, il est parti? Ouais, il te cherche. Bon, faut que t'arrêtes de faire tes bêtises, arrêter de carotter les gens, arrêter de voler le grec des gens et tout. Oh, mais si j'ai faim, je fais quoi? Non, mais quand même, t'arrêtes. Ok, j'ai compris, je vais réfléchir. Mais réfléchis bien, hein. Wow, je suis enfin tranquille. Chaque fois, je dois vesquer Loulou là. Wow, enfin, j'ai vesqué Loulou. Enfin, j'ai bien mangé son grec. J'ai bien digéré, c'est redescendu. Maintenant, je dois plus rien, c'est fini. Toi, tu me fais un con en fait. Mon grec. Bon, maintenant, tu tiens vraiment à ton grec. C'est soit tu rentres dans ma team et plus personne va manger ton grec à part moi, ou soit tu rentres pas dans ma team. Et maintenant, ton grec, à toi de voir si tu tiens à lui. Essaye pas de me faire du chantage aussi. Ok, c'est comme tu veux. Et vas-y, je rentre dans ta team en mode bang bang. Hey, mais promets-moi que tu me voleras plus mon grec. Ouais, je le vole plus. Vas-y. Bon, les gars, comme vous savez, ici, c'est moi qui dirige tout depuis très longtemps. Je veux ramener Malabar, Carambar, tout. Toi, tu vas m'enlever ce chourire de ta bouche tout de suite. Et il faut qu'on trouve un autre crew. Bon, les gars, je vous écoute. La bang bang clique. Non, c'est mort. Cordon bleu. Mais non. Spaghetti. Arrête. Ma fée. Mais non, on va s'appeler les poissons panés. Ah les ouais, ouais, c'est pas bon. Les poissons panés. Oh, allô. Eh, les poissons panés. Eh, vous avez pas compris, c'est moi et elle qui dirige ici, frère. Tu m'en bats les couilles. Bah, viens avec ton équipe, tu vas voir. Petit bouffon, moi. Se passe quoi là? Pourquoi tu dis bouffon au téléphone? Se passe quoi là? Vas-y, c'est la bande des poissons panés. Ah, les poissons panés, les petits là? Ouais, oh les petits bouffons là. Calme-toi, gros. Faut te calmer, gros. Tu sais, nous on est là en mode bang bang. Bon, tu sais quoi? Si tu vois Yaya, tu lui dis son tonton est sorti de prison là en mode bang bang. Faites attention, il va vous taper. Hein. Il est sorti hier là. Non, en fait, il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il va sortir. Elle, t'es con quoi? Il est sorti ou il n'est pas sorti? Il sort aujourd'hui même. Ah ok, vas-y. Tu vois, bon, je confonds sur les dates. Ah, je vais le dire. Tu le dis ça, hein? Ok. Ok, vas-y mon gars. Un plan de ouf là, c'est facile. Comme les mathématiques, 1 plus 1, 2 plus 2, tout ça. Ouais. Toi, tu sais, tu vas faire quoi? Tu vas te cacher derrière le parc là. Ouais, ouais. Tu vois, et toi, tu vas te cacher derrière là-bas, derrière la poubelle, tu vois. Vas-y. Après, on passe. Après, on les saute si on les voit. Ouais, voilà, voilà, là, on les voit. T'as capté, t'as capté. Voilà, on les saute en mode bang bang. Et toi là, depuis que je te connais, t'as même pas fait content, t'es pauvre ou c'est comment? Je vais m'en goûter, je vais m'en goûter. Je te porte même pas de goûter. Eh, hey, c'est pas la preuve de moi que t'as pas t'en goûter. T'es con, hey, c'est pour ça que t'as un vrai sec pas que toi, la vie d'homme. T'es mal, il est trop con. Gars, c'est nous les poissons panés. C'est normal, ils sont pas nés. C'est normal, ils sont pas nés. C'est nous les poissons panés. Vas-y, c'est nous les. Bon, c'est des guédins ou quoi eux? C'est des bolos, c'est... Hein? Comme toi, mon gars, t'aimes pas de retour en plus. Vas-y, dégage. Même pas pour moi. Ça fait deux mois dans le grec. Ah ouais, hey, toi t'as douillé, toi, c'est sûr. Regarde ton grec là, il est parti de son ventre. Ah, le petit, mais il mange. Hein. Ah lui, ouais. c'est un couilleur. Putain. Et moi, hey, moi j'en vois 4 grecs tout seul, lui aussi. Même 10 d'affilée. Voilà la histoire de grec là, mon gars, faut laisser ça. Ah ouais. Ça veut dire qu'il va pas me rembourser mon grec. T'as douillé, t'as rassemblé tout le foot avec de la ketchup. T'es grec, c'est fini. Ouais. Bon, c'est pas grave, vas-y. Faut pas attention là, mais t'inquiète là. Ouais, on reste ensemble. Je te dis, moi je parle pas pour rien. Je suis pas comme ces mythos du rap. Moi je suis pas un mytho du rap français, t'as compris? Je suis un vrai mec moi. Un vrai mec du terre-terre. Sur la vie de moi, un vrai mec du terre-terre, ok? On rigole pas. Merde. Bon, je te rappelle plus tard. Bonjour. T'es qui toi? Je cherche votre fils. Mon fils? Oui. J'ai pas de fils moi. Si, le petit Yaya. Mais non, Yaya c'est pas mon fils. C'est le fils de mon grand frère. C'est moi, je suis son tonton. Ah bon? Oui, son tonton, son tonton Marcel. Tu connais pas tonton Marcel? Non, je connais pas. Oui, en fait, je voulais dire, on veut sa peau, on veut le niquer. Toi, tu veux niquer mon neveu? Oui, on veut sa peau. Mais pourquoi? Parce que. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fout trop la merde. Ah bon? Oui. Mais d'ailleurs, mais toi, t'es qui pour lui? Ah, moi, je suis personne, mais il fait trop de bêtises. C'est pour ça là on veut le niquer, on veut sa peau. Allez, va là-bas. Hé, oh loulou, dans les bois. Hé petit. Oui. Hé petit. Oui. Je cherche mon petit neveu que tout à l'heure que tu voulais niquer là. Je sais pas où, mais le pote qui l'engraine, il est là-bas. Ah, c'est celui qui est en train de courir là-bas là? Oui, c'est lui-même. Ah d'accord, j'y vais là-bas alors. Oui. Mais tu fais quoi là? Bah je cours sur place moi. Tu es en train de courir? Ouais. Ah, je t'ai reconnu! Ton
où Thomas est? Non, je suis venu pour un truc. Il y a un gars, toi là, qui m'a dit c'est toi qui pousses mon neveu Yaya à faire des conneries dans le quartier. Comment ça se fait ça? Tonton Marcel, moi je pousse pas le petit. Est-ce que je l'ai poussé? Je l'ai pas poussé, il est venu. Moi je l'aide à, tu vois ce que je veux non, dire. Non, sois sérieux, je suis pas venu pour rigoler. Pourquoi tu pousses mon neveu Yaya à faire des conneries? Il a à peine 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Pourquoi? Laisse-le encore grandir, laisse-le mûrir. Eh hey, tonton Marcel, je t'ai dit je l'ai pas poussé non. Toi tu veux faire le choix avec moi là en mode bing bing. Toi tu te prends pour qui toi? Non. Oh! Oh! Il a eu chaud! Il a eu chaud! Il a fui! Il m'a pris pour qui? Moi je suis pas un bâtardé moi! Tu fais la merde, tu carottes les gens au quartier de ça! C'est pas grave, moi j'ai même pas un plan B dans ma tête, j'ai un plan C. T'inquiète, je vais m'occuper de lui. Mais toi, je te vois partout! Je refais que flaire ma meuf! Roseline ou bleu des lignes? T'es con ou quoi? Depuis quand il s'appelle Bleu Deline? Roseline, ouais, mais Bleu Deline. Ça a inventé? Ah ouais, mais c'est qui a dit à tonton Marcel que j'étais là, wesh? C'est moi. Hey Joe, t'es con! Oui, je suis con! En plus, tu dis, ouais, je suis con! Les rois des cons! T'as la chance que t'es un mec du quartier, hein? Con! T'as la chance que t'es un mec du quartier, je t'aurais tapé ici, là! Hey Joe, Yaya m'a proposé d'aller dans sa team, j'y vais ou pas? Quoi, dans la team BS? Non, dans une vraie team. Mais c'est juste pour récupérer mon grec, hein. Yaya, il me l'a promis. Je vois, quand tu me parles. Tu me parles de la team Timberland, des chaussures. Mais t'es con, toi. Une team, une équipe. Vas-y, laisse tomber. Moi, je pars. Voilà, Lilou, là, je te présente la team de poissons panés. Ah ouais, c'est la team des poissons panés. Bon, si vous voulez rejoindre la team, pour ramener des carambars, des chips, des grecs, du coca, du Fanta, faut tout ramener, ok? Gros, t'as oublié le poulet là, le KFC, le mafé, tu connais pas ça? Eh, mais si tu veux rejoindre la team, tu ramènes tout ça. Eh, ma team elle m'intéresse pas. Moi je suis pour mettre bang bang, américain et tout ça, tu vois. Vas-y, moi je reste dans la team à Yaya. Lui, il peut tout reprendre. Le mafé, les chips, le poulet, tout ça. Ah ouais, jure. Je te jure, mon gars. Eh, chez nous, c'est en mode bang bang. Bon, vas-y, je vous laisse. Hein. Vas-y, tu m'emmènes. Vas-y, monte. Est-ce que tu parles tout le temps comme ça? Eh, la ville l'amène, la bang bang, bang bang. C'est The Grim, wesh. Lui, commence pas avec bang bang, il finit avec bang bang. C'est qui qui part comme ça? Hi hi, c'est la bande des poissons panés. Elle joue, frère. Mais en parlant d'eux là, ils sont là. Voilà, t'inquiète. Yaya, ils sont pas encore restés ici. Hein. Moi, j'ai peur. La team de Yaya, ils vont venir ici, ils vont nous voir. T'inquiète, là, faut qu'on attende la team des poissons panés. Après, on bouge. Ouais. Ça te dit, on va manger un kebab. Mais ouais, tu as peur. Yaya, ils sont là. Ils ont peur de nous, c'est bon. Ils ont chaud de nous. T'as vu comment ils ont couru? C'est bolos, de toute façon. Après, ils disent poisson pané, poisson pané. T'as vu ces petits bouffons là? Non, les pèses. Il y a la voiture à mon nom. Il y a la roue, la vitesse elle est ouverte. En plus elle est ouverte, elle est trop belle. Hey, il y a quelqu'un dans le coffre. Viens maman. Hey mec, quelqu'un dans le coffre. Non, il a mis son enfant dans le coffre. Tu fais quoi ici? Hey, dégage. Sors. Va t'asseoir au milieu. Sale gogole. Ton père il te met dans le coffre toi. Ouais. Dégage. Attends, je vais tomber. Je m'en fous. Voilà, sors, dégage. Allez, rentre ici. On a son enfant. En plus, on a sa voiture. On est mort. Boulot qui va nous tuer. Ah, belle voiture, chacal. Dégage. Enculé. Ah, belle voiture, chacal. On va y en bang bang.
Aïe aïe aïe. Toi t'es qui toi? Ah mon gars là. T'es qui toi toi là? Laisse déjà la baisse le volume de ta radio là. J'ai des choses importantes à vous dire là. Vous voyez tonton Marcel? Ouais. Il est revenu. Ça je te l'avais dit de lui ouais, dire. Ouais ouais, je l'ai dit, t'inquiète. Voilà, faites attention parce que là c'est un mot de bang bang là. Tonton ouais. Marcel rigole pas. Ouais. Tonton rigole pas, il m'a coussé gros, il m'a mis un coup de pied. Oui c'est bon, je crie. Il y a une bête de voiture mec. Ah ouais, t'as eu 5008. Mais ça c'est la voiture de tonton Marcel. Ouais, on lui a volé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est la voiture de tonton Marcel. Et oui. Alors comment ça vous l'avez volé sa voiture? T'inquiète. Genre carré, on faisait de la voiture, on faisait une course et il nous a dit de garder, on est parti avec. Vous êtes cons les gars, vous êtes cons les petits. Il va nous niquer tonton Marcel. Il mais va non wesh, on est des bons, on a une belle voiture. S'il vient va cavaler, ouais, moi c'est pour dire. Tu sais quoi, moi j'aime bien faire. Tu vois la bonne vitesse. Bon moi je vais vous laisser parce que demain j'ai rendez-vous. Écoute, demain j'ai rendez-vous avec une petite nana, tu vois ce que je dis? Petite tissimée, tout ça. Hein, tu vois ce que Charlie je veux dire? Ou pas? Gros, vous passez la voiture, non? Non. Ouais. Enfin, on sait pas. Ouais, demain. On a du bénéf? Demain. 24 voix. Ouais, bénéf, toi, ne parle pas long. Bon, demain, midi, voiture, je vous donne l'argent si vous voulez. Moi, je touche les pédales, hein. Bon, moi, je vous laisse, hein. Bélec, hein, parce que tonton Marcel, il rigole pas. Et lui, c'est un fou, lui. Ouais, Bélec, quand même, moi. Ouais. Demain midi, hein, je vous ouais. Et toi, reste pas dans la voiture, tonton Marcel, on te connaît pas, reste toi. Reste ici, toi. Vas-y, les gars. Ouais. Eh, les mecs, là, j'ai pris la voiture à tonton Marcel, wesh. Il va nous niquer. Eh, mais en fait, la voiture, elle envoie un sbarré. Comment t'as fait, wesh? Moi je sais jouer. Vas-y dégage. Oh le bon. Oh Hugo, passe pour moi. S'il te plaît. Putain, t'es nul. T'es trop nul. Ça va être dur. Ça va et toi? Oui. Tu fais quoi ici? Non, j'allais partir. En plus maintenant je suis dans le business, à Château Seclos pour le business de t-shirt. Ah ouais, ça va. Vas-y. Un petit, viens. Alors on peut venir chez moi. Mais ça va? Ouais. Tu peux pas me faire un petit rap là? Vas-y, c'est la street. Non. Je rap. C'est la street. C'est la street zère. Ouais, grand frère, parce que là, vraiment, j'ai besoin de. Fais pas attention, c'est mon pote Eldio. Vas-y, j'ai juste besoin des clés, tu vois. Non, ne t'inquiète même pas. C'est juste, je vais faire un petit business et mon pote là, Eldio, bang bang. T'es sérieux toi? Putain, en mode bang quoi? Ça c'est quoi? C'est juste pour faire des conneries? T'es sérieux? Tu crois que moi je vais te laisser ma voiture avec un taré comme ça qui est en train de crier comme un ouf? T'es malade ou quoi? Moi? Eh, même pas en rêve. J'en ai rien à foutre. Wesh mon gars, laisse-moi jouer non? Frère, je joue pas à ça. Toi t'es trop nul, c'est pas ton niveau. Voilà, ne veux pas, laisse-moi jouer là, vite fait, wesh. C'est pas ton niveau, regarde. Eh, vas-y, tu parles. C'est même pas jouer, vas-y. C'est à cause de toi, laisse-moi, tu fais que de parler. Ouais mais toi toujours en mode bang. Bang bang c'est quoi? C'est juste pour faire des conneries. C'est pas bang pour être sérieux, c'est juste pour faire des conneries. Alors arrête de nous casser les bonbons. En fait t'es pété. Ah bon? Ouais. Ah ouais, je savais pas que j'étais pété. C'est mon pote, je peux péter là. Bon. J'ai un business là avec mon pote là. On fait le bail pour des t-shirts, tu vois. Tu crois que je vais faire mon temps de parler comme ça dans ma voiture? Non t'es pété, c'est juste vite fait, après on se casse, on bouge là. Si vous faites n'importe quoi là dans ma voiture, que je reçois n'importe quoi ou des amis, je sais pas quoi là, c'est que non, il n'y aura pas la ceinture là. Ouais, tu vois là, j'ai bien connu. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, j'ai même pas confiance, je suis en train de flipper là. Je sais pas comment je flippe. Non, mais ouais, je suis là. Il est malade. Tu crois que tu vas jouer quoi? Tu es nul, je t'ai dit. Tu joues pas. Voilà, mon gars, t'es pété là, vite. Bon. T'as fini combien là? Attends, je t'ai pas dit, hein. De toi, c'est comment? Je l'ai vu. Il a réglé les histoires avec les rampas et tout là. Ce grim, s'il se fait attraper, il est cara, un cara. Non, t'inquiète pas. T'es qui pas? T'inquiète pas. Tu cartonnes ma voiture. Je sais même pas comment t'as fait pour avoir le permis en plus. Putain de merde. Vas-y, tiens. Merci.
Eh, s'il m'arrive un, franchement, tu sais très bien que j'aime ma voiture. Tu sais très bien que j'aime ma voiture. Là. Ouais, je sais. T'as même pas intérêt à me faire des trucs. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, c'est bon, ouais. Eh, mon gars, c'est bon là. Ah, y'a bébé, il arrive. Eh, y'a deux personnes, c'est bon. Y'a bébé, il arrive. Tu comptes ? Ah, ouais. Putain. C'est tu hein. Il a joué avec le feu là. Chômage de voilà. En plus, j'ai dit, j'ai dit, m'entraîne pas dans tes conneries, m'entraîner, voilà. C'est un crime TV qui m'appelle là. Attends. Wallo. Mon gars. Toi là, voilà, tu t'es mis dans la main, mon gars. Je sais pas, le petit A, il m'a dit, ouais, parce qu'il paraît, il arrive avec les histoires avec le daron et tout. Que toi là, si ton Marseille t'attend, il va te briser ton corps, il va boire ton sang. Ah ouais, toi t'es chaud toi. Mon gars, Belek. Si tu vois mon gars, joue pas par mes cours même. Va même au Cameroun. Oui, je vois. Voilà, il est dans cette voiture. Hein, t'as vu, fait chaud, on dirait on est en été là, alors qu'on est en hiver. Oui. La climatisation en mode bang bang, tu vois ce que je veux dire. Oui, il fait chaud de ouf. Ouais, voilà. Mon gars, regarde le t-shirt. Magnifique ou pas? Oui, c'est grave magnifique. Ah mon gars, le t-shirt il est magnifique hein. Ben oui, ah mon gars, mode bang bang. Et là je veux quoi? Ce t-shirt il vient de Tokyo, Bangladesh, ça même fait Espagne au Cameroun. Ah ouais? Ouais, ça même fait escale au Cameroun. Après le Cameroun ils ont vaporisé le t-shirt. Tu vois la texture, touche la texture. Ah ouais? Ouais, ça c'est le coton. C'est grave d'art. Coton, ouais. Tu vois le coton du chat. Oui. Voilà, coton du chat, tout ça. Ça c'est un mode bang bang, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà mon gars. Et là, mon business c'est quoi? Je veux que toi là, tu vas chez Rimkus, tu vas Bibi ça là-bas, tu vois. Oui, tu vends le t-shirt, un t-shirt à 50 euros. D'accord. Si oui. Discute un peu, tu dis 30. Super chanel, d'accord, oui. Même s'il parle Pundé, même s'il parle japonais. Bambara aussi, tu ouais, vois. Ouais. Ou bien Jula. Oui. Ok? D'accord. Ok. Donc là, franchement, c'est bien, non? Oui, de ouf. Ouais, c'est voilà. Grave magnifique. Donc tu mets le t-shirt à 15, 20 euros. Vas-y, même 60 euros. Hein? Même 60 euros, 20 euros. Hein? 60 euros. Hein? Ah, c'est bon. Je vais faire à 20 euros. Voilà. Voilà. Donc voilà. Après, quand tu finis de faire ça, nous, on va aller capter une go après, là, tu vois ce que je veux dire, avec la vas-y. Voiture et tout. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça blague une plus, grosse. Ouais, tu vois, une petite Dovo avec nous, là. Oui, je vois, oui. Vas-y, gros. Bon, vas-y, tiens le t-shirt. Vas-y, bien vu. Voilà. Vas-y, on s'attrape. Vas-y. S'il y a un petit souci, tu me dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Vas-y, on est ensemble. On est toujours ensemble. Oh là là. Oh là là là. Oh loulou. Mon gars. Ouais. J'ai comme si j'arrive, on fait comment? J'ai pas. Ouais, j'étais à quoi là? Ah ouais. Attends, je vois. J'ai entendu quelqu'un taper là. Ah ouais. Y'a Elio. Ici. Bianco. Bianco. Le taron. Le gars, ça va, mystique là. C'est encore une caisse. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, tu vas pas s'occuper là. Ouais, je sais pas vous dire que je vais mon t-shirt en mode bang bang là. Allez, ah ouais. T'es vu de ça. Et moi, je le bébé là. Le t-shirt dans le bois. Regarde, tu vois, ça là, ce chocolat là, il vaut 3 millions d'euros. Vas-y, donne-moi là. Je vais prendre ça. Voilà. Ouais, passe-moi ça, non, c'est vrai là. Mais je t'ai dit, ça vaut 3 millions d'euros. Ça, c'est mieux que ça. Mais vas-y. Vas-y. Trop bête. Ah, si, il est connu en plus. Hein. Allez, oh, en mode bang bang. Mon non, gars. Mais c'est pas toi qui l'as, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai fait. Mais gros, mon gars, mais toi, t'as fait du bien. Donne-moi un petit. Pas si vite. Tu joues à quoi là? Ah, un. Donne-moi, wesh. Un. Kiff, kiff, mon gars. Ah, t'es comme ça. Vas-y, ok. Ouais. Vas-y. Bon t-shirt, en mode bang bang. Eh, dégage. Bye, TLR. Ça fait une demi-heure là. Il est là-bas, chez Rimkus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et là il m'appelle. Ça fait une demi-heure les Chérimcus. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je l'appelle là. Peut-être que ça se passe bien, j'espère. Ouais, El Joe. Hey, mon gars, ouais. Le t-shirt c'est comment là? Il a acheté? Ah si. Hein? T'as pas donné l'argent? Comment tu peux vendre un t-shirt dont tu donnes pas l'argent? Tu me dis qu'il a acheté. Pas de prêt, moi je veux pas que tu prêtes. Hein. Oh là là, vas-y, je descends tout de suite, je te retrouve. On y va chez lui là, on va voir comment ça va, on va arranger ça là-bas. Vas-y, gros, m'aide alors. Rigole avec ma marchandise comme ça. C'est un ouf. Si je me réveille pour me dormir,
Hey les gars, viens, viens mon gars. Ouais, ouais, ouais. Tranquille les gars. On est là même. Si, si, check. On est là. Là, t'as mis une base comme ça là. Mon gars, ça va, Yaya. Ah ouais. Ah ouais, gros, ça joue là, mon bang bang. Ah, ça joue, mon gars. Yaya. Ça joue. Eh, c'est comme ça. Ah, t'es trop pas un, tes chaussures là. Ah ouais, toi, t'es un bâtard, toi. Vas-y, on enlève. Nous faire enlever les chaussures comme ça, gros. Wouah, t'es mal. Wouah, les chaussures de Joe Pulo chez Kwang. Il a le cancer, ah bah oui. Ah ouais. Putain. Enfoiré, ouais. Ta chaussure là, tu peux pêcher des poissons dans l'eau avec ça. Oui. C'est un bâtard, wesh. Il me dit d'enlever les chaussures, wesh. De où? Bien, Yaya, bien ou quoi, mon gars? Ouais, bien ou quoi? Ouais. C'est comment, Yaya? Ah, tranquille, hein. Ouais, c'est moi qui parle avec lui. Eh, hey, gros, demain, là, on va monter sur la toiture, là, gros. Quelle toiture? De toi, là, du bâtiment, là-bas. Pour faire quoi? On va se poser à mon bang-bang, on va mes potes, on va fumer à mon bang-bang, tout ça. Eh, hey, moi, je te supplie, hein. Ton Thomas, il ne me rend pas, frère. Moi, là, oh, moi, je suis die, hein, moi, je suis die. Mais toi, là, s'il t'attrape, si jamais il t'attrape, hey, t'es mort. Il veut ma peau. Mm-hmm. Ah ouais. Ouais, il y a la piscine aussi. Oui. Ouais, si, si. Eh, hey, c'est qui a pris le t-shirt là? C'est moi qui bibi les t-shirts ici en mode bang bang. Hein. Ouais, y'a pas de t-shirt, non, pas de t-shirt. Y'a pas de t-shirt ici. Pourquoi vous montez? C'est vous vous avez pris? Hey, il est où l'argent? J'étais juste devant les t-shirts, non? Oui. Mais c'est il m'a pris. Il a l'argent déjà, il a l'argent. C'est douillard là. Tu l'as pas l'argent, hey. Je te l'ai pas donné tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. 3 millions là, t'as oublié déjà? Oui. T'es con toi. Tu veux que je fais sauter ta tête? Non! Voilà, bah, c'est pas grave, on le t-shirt. Allô? Ouais, t'es là dans combien de temps? Je suis arrivée là. Ok, vas-y. Ça va, ça va. Dis-moi tout. Ouais, je voulais dire, tu vois, il y a un petit, depuis quelques temps, il fout la merde partout, à l'école, dehors. Genre, il vole des sacs, il frappe les gens, tout ça, tu vois, plein de choses comme ça. Et okay. Ça devient grave. Genre, ça devient vraiment grave. Il faut vraiment faire quelque chose pour lui. Moi, donc, à mon sujet, tu vois, on m'a déjà parlé du petit, tu vois. Il s'appelle Yaya. Ouais, c'est ça. Et vas-y, franchement, il fait des arrachés, il vole des chips, Kinder, ainsi de suite, des baskets. Ouais, mais pas que ça, des choses beaucoup plus graves. Et à des personnes âgées, à n'importe qui, il a vraiment pas de. Bon, ok, tu sais ce que je vais faire. Moi, je vois de mon côté, je vais aller voir The Grill. Ouais. Je te promets rien, mais je vais essayer de voir de mon côté. Et après, je vais parler surtout au grand pour voir s'il peut pas réagir au sujet de. Faut que tu fasses ça le plus vite possible parce que. Voilà. Ok, y a pas de soucis. Bon, moi je te tiens au jus dès demain matin. Ok, d'accord. Ou parfait. Peut-être dans la soirée. Mais je te promettrai. Mais en tout cas, sûr, t'as une réponse demain matin. Mais okay. je vais déjà moi-même, je vais me recadrer un peu le Yaya là. D'accord, vas-y, bonne soirée. Yaya, mais je sais pas. Là, je vais à la laverie, là, je dois laver mes habits là en mode bang bang, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ok, vas-y, tu m'accompagnes. Vas-y. Vas-y, on y va. Toi, tu me fatigues, tu me ramènes dans ta laverie pour ton linge là. Petit Yaya, tu m'énerves. Toi qui as voulu me suivre. Oui, mais parce que je te surveille, parce que je veux voir ton gars là, ton faux type là, celui qu'on appelle The Grim, ça, c'est normal. Mais moi je sais pas, The Grim, je suis plus avec lui en plus. Ah, t'es plus avec lui? Oui. Ok, bah là, c'est ici que je fais ma lessive, tu vois. Y'a quoi? Ah, d'accord, ben ça va, je suis sauvé alors. Y'a tonton Marcel là! Comme tu es avec lui, tu vas rester avec moi. Tu vas aller faire le ménage chez moi à la maison. Mais parce que tout le bordel là, tu vas nettoyer. Mais quoi? D'ailleurs, même, c'est qui pour toi, The Grim, ça? C'est qui? Mais c'est ton gars. Donc toi, tu marches avec les faux types, c'est ça? Les gens qui poussent les petits à voler des grains, qui font que les petits ne respectent pas les grands dans les quartiers. Hein? D'ailleurs, même, est-ce que toi-même, tu respectes les gens dans les quartiers? Ouais. Hein? De toute façon, on va aller à la maison, tu vas faire le ménage. Ça va t'apprendre. Ouais, j'étais un fou toi, tu vois, ouais, comme ça là. Non, là je fais le sport, tu vois, parce qu'il fait trop chaud. Mais frère, il fait froid, tu fais du sport. Là tu cours comme ça, ici, bah, c'est quoi? Ah, ça va quoi? Toi, tu arrives des galères en ce moment. Ouais, tonton Marcel me cherche de ouf là, il m'a coussé là. Ah ouais, putain. Non, il m'a pas coussé, mais il me cherche là. Faut que je bouge dans mon bang bang. Tranquille, vas-y, gros, vas-y. Vas-y, décale, ça marche. Viens. Viens là. Il ton homme, il est parti où là? Je sais pas moi. Eh, dis-nous vite hein. Dis-nous vite parce que nous on rigole pas avec toi. Mais je sais pas. Ok, mais d'accord. Je crois, là. Bon là, c'est ton cadeau de Noël. Comme c'est les fêtes, je vais te libérer. Mais d'abord, faut que je mette un plan ensemble. Est-ce que si je te libère, tu peux me ramener ton homme ou pas? Ouais, t'inquiète. D'accord. Bon,
Yaya, on peut lui faire confiance ou ouais, pas? On peut. D'accord, bon, on te laisse, on y va. Bon. Viens, on y va, Yaya. Mais il est dans notre boîte là. Mais tu t'en viens. Là, ça va chercher, ouais. Mais toi, t'es même pas gagnant avec les meufs. Mais t'inquiète, ça va venir avec le temps. Eh, moi, j'ai des vrais bails à faire en mode bang bang. Toi, t'es là, tu me parles de talent. Bon, Céline, t'as la paille, il est gentil. Vas-y, j'espère. Ouais. T'as tout mangé bien, hein, petit. Ouais. Donne-moi un grec, là. Pourquoi? Comment ça, pourquoi t'es bête ou quoi? L'autre jour, là, tu ne mets pas 500 euros, toi? Ils ont comme si ça donnait, hein, c'est hey, pas hey, bon. Ils étaient deux, je m'en fous, ramène le 500 euros. Mais c'est quoi cette histoire d'argent? Je sais pas. Et vas-y, moi j'ai pas envie de traîner avec des mecs comme ça. Ok. Bon, moi je pars, j'ai deux trucs à faire. Ah ouais, t'es comme ça? Ouais. Pareil, je reste avec tes petits temps. Bon, là, les filles, on fait comment là? Il me doit 500 euros là. Et moi je suis pas dans l'histoire. Toi t'es pas dedans, t'es trop petit, t'as l'âge derrière, tu parles avec la grande là. Moi je suis pas dans l'histoire. Toi t'es dans l'histoire? Tiens, Ya était là, vous avez parlé avec lui non? Bah t'as qu'à voir avec lui. Vas-y, va en bouille là, au quartier là. Vas-y, lève-toi en bouille non? Ouais. Comment ça? Lève-toi en bouille là, tu pas bien non? Hé, viens en bouille là. Non, attends. C'est qu'à l'heure, je suis à la laverie avec The Dreams, je suis allée l'accompagner. Après, c'est pas, on voit tonton Marcel. Le gars, il commence à fuir ici. Il a fui comment? En mode bang bang. Ah ouais, chaud. Bon, ton histoire était bien, mais là, toi, mon crâne là, ça va pas. Donc, vous trois là, les trois filles là, vous restez avec moi, je veux mes 500 balles. Mais c'est Yaya qui a des 500 balles. Bah oui, c'est vrai. Attends, mon grand frère va venir. Moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles même. En tout cas, moi là, ma tête là est cogique. Yaya, il m'a attrapé comme ça, wesh. Faut aller fuir, c'est tout. Bah, c'est lui, il fait des conneries. Bon, moi, venez en bouge, Yaya. Vous allez voir Yaya, 500 euros là. Bon, vas-y, tu m'apprends ça. Je sais pas du tout où il est. Ouais. Ok. Tu fais quoi ici toi? Bah je suis avec mon copain. Comment ça ton copain? Depuis quand t'as un copain toi? Ah je sais
pas dit. T'es pas censé être travailler. Bah, je vais. Vas-y, bouge à la maison. Ouais, tu vois, pour tes cymbales là, ouais. Pour ton grec. Ouais, c'est la cousine de la nièce, la camarade du tonton, de la grand-mère, de ma grand-mère, de la grand-mère, de ma grand-mère, qui est à l'hôpital avec le cousin de la nièce de tonton Mandombo, qui était comme tonton, la cousine de Tanti Malamba. Tu vois ce que je veux dire? Donc tes cymbales, ça fait le tour du monde là. Mais tu vas quand même les rembourser. Ouais, tu vois, moi je suis un mec déter, toujours déter au cœur du déter, tu vois ce que je veux dire? Parce que, vous, parce que moi je suis un lover de la Louvance, même la Louvancité. Tia te amo, tu vois, c'est une langue. Tia te amo, ça veut dire je t'aime, tu vois, tia te amo. Tu vois, te amo, tu vois ce que je veux dire? Hey, Yaya, tu peux noter. Hein. Hey, tu fais quoi sur ton tel depuis tout à l'heure? Bah, je note les techniques de drague à The Grips. Ah ouais, t'es en mode bang bang, hein? Ouais, t'es ça. Toujours en mode bang bang. Tu veux écouter un acapella? Vas-y. Acapella dans l'acapella, quand tu fais du peur comme ça, quand on est posé dans la tête. On m'avait raqueté, mais j'ai pas voulu me venger. Ça se refait, tu vois. Ben, on est au studio, on a posé le son en mode bang. Hé, tu fais quoi? C'est pas une parole, ça? Ouais, ce sont tes paroles. Mais pourquoi tu veux une parole? Je vole pas tes paroles, j'interprète. Oh, je t'ai con ou quoi, frère? Comment tu peux poser ça? C'est fait casser la gueule, c'est mais tout. Faut qu'il nous raconte. C'est fait casser la gueule, y'a pas. Qu'il nous raconte. Il t'est arrivé quoi? Il t'est fait niquer, mec. Crash, t'es posé avec ma meuf et tout, y'a son ref qui est arrivé, il m'a niqué. Wouah, mais gros, toi t'abuses. Comment tu peux gérer des meufs qui ont des grands frères? Ah ouais. J'ai des meufs qui ont des petites soeurs, comme ça quand la grande soeur te tèche, tu prends la petite soeur, tu vois ce que je veux dire? Ça sent le vécu là. Non, ça c'est avant. Demande-lui pourquoi il dit c'est avant. À l'ancienne. Pervers. Non, voilà. Pervers. Non, mais les gars, vous m'en m'aider. Je sais pas, je me suis fait enculer là. Aidez-moi, vous êtes des refs, non ou quoi? Mais aidez-le, non? C'est votre pote? Venez, on va l'aider. Moi, c'est pas mon pote qui t'est fait taper. Tu non, mais vous êtes parti de mon équipe. Ah, il s'est fait enculer, moi je suis pas dedans. Vu comment il t'a niqué, moi je suis pas dans les histoires. Hein. Moi je suis pas dans les histoires. Je débrouille. Ah ouais. D'ailleurs, on y va où? On y va? Mais venez. Vas-y. Moi je suis chaud, moi. Moi je suis chaud. On y va. Si le bouche est chaud, on va. Allez, sans moi. Ouais, vas-y. Hein. Allez, sans moi. Ça, tu commandes au tacos, tu prends ma part aussi, tu payes. On y va. Ah, va-t'en, frère, lâche pas comme ça. Vas-y, attends, viens, on va chez le médecin, viens, on va chez le médecin. T'es con, quoi, je vais pas aller chez le médecin, y'a la police après, je suis... Mais t'es con ou quoi? J'ai pris tu l'as planté, wesh, je voulais juste le taper. Imagine, il est mort, wesh, les keufs et y'a tout. Y'a la police, t'es con ou quoi? En plus, il est grave chaud, on a même pas de team. Moi, j'ai pas touché à ça, c'est toi. Putain! Moi, je te parle plus, hein, c'est mort. J'ai buté un mec! Putain, t'es con! Hey, c'est quoi là? Ça se voit, c'est un show. Y'aura des représailles. Ça va se reproduire, wesh. Mais y'aura des représailles. Là, tu vas voir, c'est ça, c'est toi qui aura ça. Moi, mais voir un autre bail, c'est obligé. C'est obligé. C'est pas toi. Ah c'est bon. Y'a rien. Maintenant y'a tes mains, y'a plein de sang. Et si la police sang, pour enquête, ils savent que c'était ici là. Ils vont venir s'ils fouillent ici, ils voient le couteau, c'est ouais, tout. T'as y'a tes empreintes. Ils vont voir tes empreintes et tout. Sérieux là. En plus on t'aide bien là. Venez, on y va, je vais laver mes mains. Je change des habits. Bonjour. Ah ça caille hein. C'est bon.
Ah ouais, faut que je rentre chez moi. En plus, moi, ma mère, elle a préparé un bon plat, bien mangé. Plus vous là. Wesh, ça va, ça va. Bien, bien. Eh, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quoi? Avec un gars. C'est comme si la poignardée. Et il y avait du sang. Et il a couru. Et j'ai jeté le couteau. J'ai ramassé le couteau. Et il a coursé le gars. Bon, vous êtes de la chute de poissons panés, non? Ouais. Bon, c'est pas grave. Moi et Doumson, on va s'occuper de vous. Ok, ok. Vous allez voir. Ok, vas-y, vas-y. Ok. 5 contre 2. La dernière fois, on vous a fait courir. On était que deux. Alexandra, faut que je te dis un truc. T'as des nouvelles de ton frère? Non. Tout à l'heure, j'étais avec Zoom et tout. Et vas-y, ils veulent faire une dinguerie, ils veulent se venger. Pourquoi Pierre il m'appelle? Vas-y, réponds. Allô? Quoi, à l'hôpital? Mali, tu continues toujours à faire quelques bêtises là. Et dans le quartier là, tu voles toujours les Grecs? Mais bon, voilà, bon, mon appel c'est surtout pour savoir, pour The Grim, ça c'est comment? Ouais, dès que je vois Laurine, on va faire un plan pour attraper The Grim. Ah, d'accord, donc t'as mis un plan pour que je puisse l'attraper? Je sais ce qu'on va faire. Ciao. C'est toi qui date. Elle quoi? Rien. Elle t'a le numéro à The Grims? Pourquoi tu veux son numéro? Pour faire un gros plan, parce que moi j'en ai marre. Toto Marcel, tout il me crie dessus à cause de lui. Maintenant on va voir, il va se faire attraper, on verra. Ah non, j'ai une autre idée. Comme The Grims il aime bien les meufs, bah toi t'appelles une de tes copines pour faire style, ouais, tu la ramènes et tout. Et comme The Grims il aime bien les meufs, tu sais, il va commencer à lui parler. Et en même temps, Toto Marcel il débarque. C'est bon, elle vient. Et genre, je vais lui expliquer tout à l'heure. Vas-y, moi je vais m'occuper de Grims. Genre, comme il est bête, il va me croire et tout. C'est ouais. Sûr. Donc, vas-y. Façon, je vais partir. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Voilà, du coup, je m'amène. Tiens, on va aller mettre les moustiques. T'as vu? C'est là, c'est dégueulasse. J'arrête de mentir, mais. Vous n'avez pas vu ces trucs? On a allumé les mouvements. Il y a personne au quartier là. Comme tu les aimes. Waouh, jure. Je te jure, en bas du lit. Après tout à l'heure, on nous voit en bas du lit. Ah ouais? Ok, tu seras pas déçu. À quelle heure? Vers 14h. 14h? Ah, d'accord. Tu sais, le petit gars, c'est un bon. C'est un bon des bons. Comment ça? Mon gars, je t'ai posé là, dans la cité, il y avait son père. Mon moi, il me dit à tout le monde. Et là, le petit gars, il me dit, ouais, je t'arrange encore avec une meuf et tout, elle est fraîche. Tu m'as sans photo, attends. Tu m'as sans photo. Non, elle est pas fraîche. Ah ouais, l'eau. Ouais, t'as vu? Donc là, tout de suite là, j'ai rendez-vous là. Dans la petite ruelle, le petit parc là, tu vois le délire et tout. Avec une bête de meuf, tout ça. Hein? Ouais. Voilà. Bon, mon gars, ce soir là, je viens. Après, on joue vite fait à FIFA, on s'attrape. Vas-y, mon gars. Ah, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Alors, la famille va bien? Ouais. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. Alors, donc, comme il est actuellement, Grims, là, il fait toujours autant de bêtises avec mon neveu, là, c'est ça? Ouais. Ah bon? Donc, tu as décidé aussi de m'aider, vraiment. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans mon... Parce qu'il y en a pourquoi je t'ai attrapé, je t'ai dit, il faut me le ramener. Donc là, c'est pour ça que tu me ramènes. D'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Il hein. D'avoir vos problèmes. D'accord. Non, de la manière qu'elle était là, ça c'est sûr que je vais attraper ce monsieur. Là, depuis que j'ai... Bon, parce que là, il y a...
il y a un mec là qui s'appelle The Grims qui traîne, je sais pas, dans un quartier là. Et il pousse son petit neveu Yaya à faire des conneries. Yaya. Le petit Yaya, celui qui vole tous les Grecs du quartier là. En plus de ça, ils sont poignardés avec des Grims. En plus, il a poignardé ton frère avec un vrai couteau. D'habitude, ce mec-là, je le vois traîner avec des couteaux en plastique. Donc, c'est un vrai gangster, là. Là, c'est réel. Non, faut qu'on mette notre plan en place, faut que je l'attrape parce que j'ai décidé de l'écraser. Moi, je ne suis pas bâtardé, je dois l'écraser. Donc, le système qu'on a mis en place, c'est que comme c'est une belle fille, tu vas le séduire. Et tu vas le ramener petit à petit. Quand je vais l'attraper, là, je vais l'écraser. Ça te va? Voilà. Donc j'ai besoin de te donner quelque chose ou non? Tu prends de l'argent? Non, non, non. Je veux que tu le fais gratuitement comme ça. Non, j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de rien. Moi aussi, j'ai envie qu'il souffre. Mon frère m'entraîne à vie la mort et je vais qu'il paye. D'accord, t'inquiète pas. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup de m'aider. Pauvre pour ton aide. Moi aussi, j'ai envie qu'il souffre parce qu'à cause de lui, mon petit neveu, il vole partout. Et t'inquiète pas, merci beaucoup du fond du cœur, on va l'attraper, je vais l'écraser et ton frère sera vengé. Non, ma brochure, là j'ai rendez-vous là, t'es ici, hein. Oui. D'accord. Donc, tu sais où je dois me placer, tout ça, tout? Oui, il faut que tu te caches, parce que moi, c'est l'heure et puis il va arriver. Ah bon? Oui. Faut que, donc là, j'aille me cacher? D'accord, bon, j'y vais. Donc, quand je me cache, tu me fais signe quand il est en train d'arriver, d'accord? La rue aussi, vous me faites signe, hein? D'accord. Okay, vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est rien que ça. Wesh. Ouais. Tu fais quoi là? On est là, tu connais. Donc t'es là tout seul? Ah ouais, wesh. T'es quoi? Il dit quoi? Tu t'arrêtes? Vas-y, parce que c'est meuf, tu connais. Quelle meuf? Je sais pas, wesh. Ah ouais, mais lui, t'es pas dit, moi j'ai un plan avec une meuf, mais en fait, c'est faux. Ah, je sais pas, mon gars. C'est un plan. Tu vas faire une balle à gros bout. Pourquoi? Ah ouais, jure. Bah ouais, c'est un plan. C'est quoi, wesh? Tranquille, la dernière fois, là. Quand à cause de lui, j'ai volé la voiture, là. Ah ouais, bah, ça j'aime ça. Bah, maintenant il va la voir, c'est bien fait. Une galère toi aussi, ouais. Non, je suis pas une galère, c'est lui aussi, il m'a mis dans ça, donc on essaie de dans ça. Ah ouais, au cas, vas-y, j'ai tapé les délires. Ouais, c'est que je me dis, c'est ce que j'ai entendu au Drake. Eh, hey, salue-moi d'abord là, t'es ouf toi. Ça va? Ouais, mais. Tu vois, j'entends en grec. Ouais. Genre, on veut ta peau. Eh, hey, vas-y, dégage là, moi j'ai rendez-vous avec une meuf. Qui va ma peau? Va là-bas. T'es ouf lui. Eh, hey, va là-bas. Salut, ça va? C'est bien toi, Belkis? Ah, en mode bang bang, je savais bien que c'était toi. Et alors, ce petit A qui m'a eu en connexion avec toi. Non, on peut faire connaissance, on fait petit pas, petit ouais, sans pas, tout ça. Mais doucement, on mange doucement. On mange doucement? Ouais, on mange doucement, moi j'ai tout mon temps, tu vois. Tu vois, c'est en mode bang bang, tu vois ce que je veux dire. T'es une meuf d'ici ou bien. Non, pas du tout. J'ai t'attrapé! Ouais, j'ai des trucs à te raconter. Ah ouais? Ouais. Apparemment, Zegrims, quand tu t'en marches, il a attrapé Zegrims. Maintenant, t'as compris? Oui, t'as compris? Attends, on y va. Allez, on y va. Non, on y va. On va voir le petit gars. On va chez le petit Yaya parce que. Non, attends, je veux pas battre. Attends, j'appelle. Bon, je laisse. Hé, hey, il s'échappe. Jure, Zegrims, c'est un chien, on va dire. Ouais. Et il a tout balancé à son frère. Et son frère, il veut niquer tout en Marseille. Il m'a frappé comme ça. Aucun problème, du tout. C'est qui ce mec? Il s'appelle Tonton Raphaël. Ce petit con là? Bah ouais, c'est lui. Et c'est lui qui t'a fait ça? Ouais, c'est lui. Appelle-le.
appelle-le. Dépêche-toi. Passe, 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 passe. Ça sonne, ça sonne. Allô? Ouais, allô? Ouais. C'est qui là? Eh, c'est le petit PD, va. Agent, t'as touché à mon petit refrain? T'es le grand frère à The Grims? Tu m'appelles pourquoi? Je vais tellement t'enculer fort. Hein. Eh, viens, 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 viens. Eh, arrête de faire la salope là. T'es où? T'es où? Agent, tu me fuis là? T'inquiète même pas, on va s'attraper. Voilà, je vais t'attraper. Eh, hey, je vais broyer tes os. Voilà, je vais boire ton sang. T'as cru que tu vas péder moi ou quoi? Sur la vie de ma... Tu me menaces? Ouah, comment ça, il est dans la merde, elle est dans la merde. Ah ouais. Mais tu sais, c'est Yaya qui a balancé Prince. C'est mieux que tu l'appelles pour le prévenir. Ouais, c'est mieux que j'appelle. Allô, Yaya? Allô? Ouais. Écoute, si tu vois The Grims, fuis. Non, wesh, comment ça je fuis? Mais pourquoi? Ne me demande pas pourquoi je fuis, c'est toi. Ok, ok, j'ai compris, je fuis. C'est bon, je fuis. Ok. Que, du coup, tu elle l'a quitté, je sais pas compris pourquoi, mais je crois aussi qu'elle a dû tromper, hein, t'as pas compris. Elle l'a détrompé, ça se voit. Non, mais je sens que c'est une fille, genre, tu vois, elle est fidèle et tout, mais tu vois, genre, c'est un gars qui peut vite. Voilà. Bonjour, bonjour déjà, un peu de respect. Vous n'êtes pas tonton de Yaya? Si, je suis l'oncle de Yaya. Ce petit-là, il est venu, il m'a arraché ma tronche. Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est irrespectueux. Moi, la prochaine fois, je l'aurais proxé même. Il l'aurais proxé. Attendez, attendez, d'abord, non, un instant. Il, quoi, il vous a arraché un il sac, c'est ça? Il a arraché le sac à ma soeur. Comme bon. Ça. Allô? Ouais, on vient d'arracher mon sac. Comment ça tu t'es fait arracher ton sac? Non mais heureusement il n'y avait rien d'important. Il y avait ma montre dedans. Il y avait ma montre. Oh putain, je vais faire comment? J'étais pas là, hein, mmh. Mais voilà. Et là, il a encore... La fois que j'entends parler de lui. Vous l'avez retrouvé? Oui, on l'a retrouvé. Ok, d'accord. Donc, bon, comment vous appelez? Nous, c'est les jumelles, quoi. Les jumelles. Ok, bon, je m'en vais le retrouver. Boxer, mais déjà, vous avez retrouvé le sac, c'est ça le plus important. Oh, on a retrouvé okay, le sac, bon, mais le boxer quand même. Je vais le voir, je vais le voir. Petit, hein. N'importe quoi. C'est pas la première fois que j'entends parler de lui. C'est un petit qui a parlé de petit voyou à son âge. Et plus tard, tu sais qu'est-ce qu'il va devenir? Pardon. Vas-y, une déclare. Je suis choquée. Je vais l'attraper, je vais l'attraper, ils volent les sacs, ils volent les sacs. Yaya, ah, j'attends mon petit neveu Yaya là. Yaya. Dépêche-toi là, oh, je suis pressé là. Oh, ma gossure, viens parler un peu là. Toi aussi, j'ai besoin de te voir là. Donc tu passes comme ça, tu me vois, tu hein? Ça va bien. Tu te rappelles du plan qu'on avait mis en place là pour les Grims là? Je l'ai attrapé. Là, j'attends Yaya. Yaya! J'attends qu'il arrive. T'inquiète pas, il arrive. Attends une minute, le temps qu'il arrive. Comme ça, après, je vous laisse partir, d'accord? C'est bon, Yaya. Mais toi là, depuis tout à l'heure je t'appelle, c'est quoi ça? Mais c'est bon. Mais tu me fais attendre pour rien, tu me respectes pas toi, hein? Bon, j'avais besoin de vous voir tous les deux, parce que ce qu'on avait mis en place, ça c'est fait. Donc j'ai attrapé The Grims, j'ai collé, boxé, il a commencé à saigner de partout. Et après, son grand frère m'a téléphoné. Il a dit à son grand frère. Il m'a traité. Non, j'ai la rage. Yaya, j'ai la rage. Ma gossure, j'ai la rage. Donc, j'ai besoin de vous à nouveau.
Parce qu'il m'a fui. Il m'a fui, j'ai besoin de vous à nouveau. Mais il ne sait pas que vous êtes dans la commune avec moi. Ouais, j'ai appris que tu t'es fait niquer. Moi, me fait niquer. Ouais, tout le monde. Qui peut me niquer? Moi, c'est moi qui nique les gens ici. Attends, c'est pas lui qui dit. C'est pas lui qui t'a mis. Voilà, pas toi, c'est toi là, c'est fou là. Pourquoi tu veux qu'on se cache? Ah ouais. On y va, viens, on y va. Est-ce que toi à 16h47 tu reçois des messages comme ça? Hein? Non, je reçois pas ça. C'est bon, faut voir. Ouais, c'est rien ça, frère. Comment ça, c'est rien? C'est rien. À 16h47, toi, tu reçois ça? C'est rien, c'est rien. Je reçois ça, toi. C'est rien. Elle a mis cœur rouge en plus. Cœur rouge en plus. Elle a mis cœur. Voilà, cœur rouge en plus. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Foire toi tes messages. J'ai pas de téléphone, laisse-moi. Ah ouais, donc ils ont fait un plan contre moi. Comment ça, je vois Yaya, Lorine, tonton Marcel? C'est Yaya qui m'a balancé. Il m'a balancé de ouf. J'ai collé, boxé. Il a commencé à saigner de partout. Putain. Faut que j'aille le chercher là. Si je l'attrape, il est mort. Je passe d'abord dans la cité. Ça veut tout dire, mon gars. Bien comme mon gars. Tranquille. Je suis calme. Tranquille. Excuse-moi. Bien. Ouais. Eh, on avait pas de le petit Yaya là. Même j'ai entendu, tu te fais niquer par contre Marcel. Yes. Non. Si, si, non, vraiment, j'ai. Gros. J'ai fait le karaté, gros. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Quand t'es petit. Rien du tout, je te connaissais pas et tu t'es fait. Voilà, mais toi, tu te rappelles. Lui, il se rappelle. Non, moi, je me rappelle pas. Moi, on m'a dit que tu fais fumer. Tonton Marcel, il t'a fumé. Non, mais bon, ouais. Bref, si vous voyez le petit Yaya, vous dites que je cherche. Hein. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Et, enfin, tu sois Tonton Marcel, hein. Tonton Marcel, il me casse les couilles, frère. Comment ça? Que il vient me chercher en bas de chez moi, il crie partout, là. Mais pourquoi? Je sais pas, il veut quoi, il va couper des écrits, ça encore, je sais pas pourquoi. Il me casse les couilles. C'est une balère. Il en a pas marre. Ouais. Mais le cœur, t'as appelé violet, bon. Je veux pas c'est friendzone. Force avec ton cœur. Je veux dire c'est friendzone. On s'en fiche depuis. Attendez, juste. Ma daronne, elle m'appelle. Y aller en mission. Vas-y, on se fait après. Ouais, vas-y, ouais. C'est toi que tu es là, non? Ouais. Y'a une cul sur ta tête, hein. Pourquoi? The Grimms, là, il veut ta peau, je jure, t'es mort. Hein. Mais pourquoi j'ai Grimms me cherche? Je parle à lui déjà, toi tu me vois. Parce que. Pourquoi t'as. Parce que. Askip t'as mon char. Askip t'as mon char. Bah, les couilles, frère, déjà, qui t'a dit c'est lui? Là, on m'a dit. T'en bats les couilles, c'est Grimms, frère. Eh, c'est pas moi. Bref, fais attention à toi, c'est tout. Ok, merci. Bienvenue, mon gars. Vas-y. Vas-y. Wesh. Bien. T'as pris du temps là? Non, j'étais avec mon pote là. Ouais. Non, j'ai mal aimé ton cœur là. Viens, on va manger un kebab là. Non. Au McDo? Non. Quick? Non. Au Wok chinois, chinois. Ouais, c'est trop la base. T'aimes bien les chinois? Ouais, vas-y, on va. Vas-y, on va. C'est à côté là, c'est pas long. Ouais. Quoi? Tu fais ici? Celle ta maman? Non, parce que non, si je pars chez Omnista, c'est. C'est ça mission. Ta mission? Ouais, c'est ça. Appelle-nous pour le dos, ça y est. Vas-y, je te laisse avec tes potes. Ben. Celle ta maman? Non, c'est pas. Si, c'est elle ta maman. Je te parlais d'une mission là, une mission. Ouais. Non, c'est bon comme ça. Change-la pour moi. Eh, venons, on va au kebab là-bas. Non, parlez-moi, on va parler. Bon, toi là, viens. Eh, c'est pas toi qui m'a balancé. Non, c'est pas toi qui m'a balancé. C'est pas toi qui m'a balancé. Ah, t'es sûr? C'est pas toi. Lève-toi. Je vais te ramener. Putain. Le petit, il est vif. Même il patate Tao. Thank you.
vas-y, moi je vous laisse là. Vas-y mon gars. Yaya, à la prochaine. Yaya. Yaya. Ça va être lourd ou quoi là? Ça va être pas mal. Ça va être fort. Allô? Ouais. Elle accepte pas, il y a un mec, je l'ai accompagné. Il a plein d'oseilles. Vas-y, comme ça, si ramène Zepikenio et Rintis le fou là. On a besoin de lui pour le braquage. Zepikenio le fou là. Ok. Moi je te dis, il faut qu'on déstabilise le coin. On déstabilise. Quel coin? Moi je me voyais rentable. Quel coin là, ouais? Non, t'es là. Tu me disais quoi là? C'est quoi le bail? Là, tu vois plus la masse que j'ai! Yes! Jure! Il a combien? Ah, tu sais pas? Mais Harry, tu m'as dit, il est au studio bleu et tout ça. La vingtaine? De bleu là, général. Jure! Eh, faut que tu me mets pas dans des bails chelous, hein! Des vrais bails, les liasses! Mais gars, les liasses! Ah mon gars! On va déstabiliser le point, hein, mon gars! Mais j'espère que tu m'en parles, hein! T'as dit quoi? Mais c'est un show, c'est un show ou pas? Il te dit son petit partout, tout ça, il a le délire. Non mais voilà que lui, chacun c'est qui t'a mis au courant? C'est Tonton Marcel, c'est ça? Ah gros, Tonton Marcel. C'est Tonton Marcel qui l'a mis dans le plomb. Si c'est Tonton Marcel qui l'a mis dans le plomb, ça me dit qu'il a du sud, il a du. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ouais. Mon gars, j'ai pas envie de béton. J'ai pas envie de béton, c'est pour ça. Braca, c'est trop bizarre. On prend des faux guns, tout ça, ils auront peur. Vas-y, tu vois? Moi je suis non. Non, on les kidnappe. On les kidnappe. Ouais. Tu kidnappes et tout l'oseille. Ah, mon gars, comme beaucoup. Eh, on fait ça vite, gros, parce que la séance va finir. C'est mieux, on y va. On y va. Gros, t'es chaud. Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17, on prend vite les bails. On y va, les mecs. Bang, bang, tu connais. Ouais, en mode bang bang. Et il est blond. Ils ont dit ils vont tuer The Grimms. Ouais, parce qu'ils parlaient de lui. Ils étaient en train de parler de lui. Petit blond avec un petit maillot. Et pantalon noir. Je vais leur dire. Hein. Va. Vas-y. Déjà, The Grimms, il se cache chez nous, il est mort. Ouais. Ouais, c'est mort. On continue à jouer. Hey gros, tu l'as mis dans la vodka? Ah, il est dans la cop, mon gars, on aura des dalles. Combien? Je sais pas. Hey mon gars, t'es brillant, t'as pas besoin gros, de ça. T'as vu sa tête? Sa tête là, ça vaut 1 million. Mon gars, il faut le là, ça pèse. Mon gars, on sera riche, on sera riche. Ah ouais, bien sûr qu'on sera riche. Mais c'est qui tu connais? Le gars ne dis pas. Hey gros, venez me marre. Yo, give me fuck.
On l'a kidnappé là, c'est chaud. C'est en russe. Ouais, c'est en russe, gros, la mafia russe. Il découpe les gens, gros. Imagine, il met ma tête, je sais pas où, ton pied, je sais pas à côté de ma tête. C'est pas normal ça. Bah ouais, putain, ça te fait. Oh frère, tu vois, frère, c'est pas normal ça. Ah, ça, c'est un mec, tu check ça. C'est un mec, tu check, c'est un Romain, tu vois. Ouais, 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 bien sûr. Et Asnim, il va me préviser, vache pas d'arrêt. Attends, attends, pose, il parle quelle langue là? Il parle russe. Tchè. Karacha. C'est chaud là. Oh, voilà, il est mort. On nous a. Putain. On nous a piégé. Dis-moi que tu passes bien. Здравствуйте. Сколько за подарок? Очень хорошо. Чудо, блядь. Чудо. Это хорошо, братан. Сейчас мы пойдем с начальником. Поехали. Спасибо большое, братан. Ты нам помог. Братан, Россия, тебя не забудь. Ни за что. Jure, mais normal, ils devaient faire un braquage aux Russes. Je sais pas, il y a des Russes qui sont rentrés dans la cité, ils ont kidnappé. Ah ouais. Ah ouais, chaud. C'est dire, tonton Marcel, il m'a mytho. Et t'as dit quoi? Parce que je crois qu'il a fait exprès de me faire ramener les Russes là, pour que je dise un truc comme Russes, comme c'est que j'appelle tout le temps et tout. C'est un menteur. Eh, hey, t'inquiète. Oh, mon petit, ça va? Voilà. Bah, t'as ramené le russe au studio ou pas? Ouais. Eh, on m'a dit un autre truc encore. Quoi? On m'a dit que Zgrims et Rimkus se sont fait kidnapper avec ton russe et ses amis. Mais c'est normal! Le grand frère de Zgrims, il me cherche. Mais moi, quoi, je vais l'attraper, je vais l'écraser! Donc, mais tu dis à personne, c'est moi qui ai envoyé les Russes. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Moi, je suis parti envoyer The Grimms et Rimkus pour qu'ils braquent et maintenant ils se sont fait attraper. C'est bien fait pour eux! C'est bien fait pour eux! Moi, hey, moi je suis pas l'ami du frère de The Grimms. Je m'en fous. Le gars au téléphone, il m'insulte, il me clash. Il dit ouais, je vais t'écraser, je vais te niquer ta race. Non, non, non. Hey, moi, je suis pas un petit, je suis pas un gamin, je suis pas un batradé, je suis pas un babier, ok? Les Russes, c'est mes amis. Ils me respectent parce que j'ai fait des affaires avec eux. Donc moi quoi, il y a des gens qui me cherchent, je les envoie les vrais hommes. T'as compris? D'ailleurs même, tu gardes ça pour toi, tu dis rien du tout. Bah maintenant, c'est quoi? Ouais. Moi je suis pas avec toi, ils se sont fait attraper, c'est toi. Maintenant... Y'a pas de soucis, c'est... Ah d'accord, ne me parle même pas, ne m'adresse pas la parole. Ma chérie, je vais à la boulangerie, à la trottinette là, je reviens. Ouais, vas-y, t'inquiète. Calme la trottinette là, j'arrive. Rimkus avec une meuf. Oh, la trottinette. Il a laissé les rentrer. Alors là, c'est à moi ça. Here we go. Ouais. Allô ma trottinette. Salut ma trottinette, elle était là, wesh. Mais je comprends pas, moi aussi j'étais là et j'étais à côté et j'ai pas vu personne. Hein. Wesh, ma trottinette électrique là, que j'ai payé. Non, t'as foutu elle. Putain, vous voyez ce petit gars, ce cola qui a pris. Attends, lui, je vais niquer lui aussi là. Ça me perturbe quand même, hein. J'étais là, je suis pas folle. Il n'y avait plus de canette, il n'y avait que ça. Mais toi, on te vend ma trottinette en face de toi là. Oui, mais j'étais là, j'ai regardé. Ma trottinette, j'ai payé cher. Elles sont volées, il n'y avait personne. Hein. Non, t'abuses, oublie ce mais petit gars là. Putain, je vais l'attraper aussi avec sa tête là. Putain, j'ai le seum là. Ouais, j'étais aussi là, t'abuses aussi là. J'ai pas fait exprès. Abuse, j'ai le seum là. Mais arrête de crier. Vas-y, on bouge là, vas-y, on bouge. C'est pas, il y a un gars, il m'a promis un grec, je crois que c'est un bon. Ah, mais moi aussi, il y a un gars, il m'a promis un grec. Cher, vous marchez en mode bang bang. Ah, en mode bang bang, trottinette électrique. Allez, marche à pied. Mais moi aussi, il y a un gars, il m'a promis un grec. Hein. Ah ouais, il est comment? C'est un petit teinture. Attends, je te dis. C'est... Il est pas petit, teinture rouge. Oui, c'est ça, regarde. Attends, lui. Ah ouais. Et t'as dit aussi? Ouais. Oh, le bac. On va le voir. Il va. C'est vrai, il prend du temps là. Je m'avais promis un grec, il est où là? Je l'ai appris. Allô? Ouais, t'es où là?
Ah, t'arrives? Ok, bah vas-y, à toutes. C'est bon, c'est une trottinette. Eh, c'est toute ma fortune là. C'est pas une voiture, c'est qu'une trottinette. Et alors, c'est toute ma fortune, ça va là. Il y a deux roues. Putain. Vas-y, j'ai payé ça cher en plus là. T'as payé ça combien? 50 euros? Qu'est-ce 50 euros, wesh? Eh, toi là. Toi là. Est-ce que t'as vu ma trottinette là? C'est bon, de la crise. Mais pourquoi tu m'adresses déjà? J'ai payé toute ma fortune. Je peux parler calmement en fait. Y'a quoi? Est-ce que t'as vu une trottinette? Non. C'est sûr. Voilà, la bas elle est là, on y va là, vas-y. Putain, ça me casse les couilles. Eh, ça me vénère, j'ai payé toute ma fortune là. Mais c'est une trottinette à deux. Et alors c'est... Ouais, c'est une trottinette. Vas-y. Et quoi? 50 euros. Putain, je lui dis, regarde ma trottinette. Elle s'est fait voir devant ses yeux là. Parce que nous aussi on avait un petit tout à l'heure passé en trottinette. Il était comment? Mais c'était un petit roux habillé en gris, il faisait que répéter en mode bang bang. Ouais, c'est lui, c'est Yaya. T'es sûr? Oui, 100% même. Vas-y, on avance. Bon, ça me vénère. Hé, petit Yaya! Vas-y, griffe! Yaya! Ah mon gars, je savais pas que t'étais là. Trottinette! Ah mon gars. Aïe aïe aïe, yo comme mon gars. Ouais mon gars. Si si, non, toi t'as tu des bons trucs, innovation, tout ça. Toujours. Franchement, je fais le bisou, moi. Franchement, c'est bien. Lourd, 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 lourd. C'est à toi ça? Bien sûr mon gars. Ça, c'est à toi ça? Bah ouais. Ah ouais. 1000 balles. Mathématiquement, je pense que ça c'est à toi. Mais en français, en géographie, en histoire, en physique, chimique, biologie, tu l'as volé. Qui t'a dit ça? Menteur, va. Moi, je t'ai dit, c'est ma mère à m'acheter. Wow. Tu vois, mon gars, je t'ai dit, mon gars, je t'ai dit, mon gars, je t'ai dit. Wow. T'as tout compris? Ah ouais. Eh, mon gars, Bellec, on est en pointe, faut pas qu'elle tombe. Ça coûte 1000 euros, mon gars, 1000 euros. Eh, mon gars, ça, c'est une bête de trottinette. Eh, il y a tout. Lampe, roue motorisée avant, 25 km, mon gars. Eh, mon gars, quand tu roules sur ça, là, on dirait que t'es sur un Ferrari. Donc ça, mon gars. Non, toi t'es un bon. 1000 balles, putain, c'est un truc de ouf là. Ouais mon gars. Moi je t'ai lâché ta 20 balles. Je te donne ça hier. Ah mon gars. Tu vois, on se voit hier, je te donne. On se voit hier? Ouais hier. Hier c'était hier. Hier c'est passé. Comment on peut se voir? Et 20 euros c'est trop petit mon gars. Ah ouais ouais, j'avoue. 500. Bon, tu sais, là je dois capter une meuf là, je te jure. Non, deux meufs encore. Non, vas-y toi, mytho, va, tu dis grec à toutes les meufs. Eh, je t'ai dit, les trois meufs, tu dois capter, ta grec, tout ça. Je dois aller avec ça, gros. Tu vois, comme ça, on va dire non, vas-y, The Grims, il a tout ce qu'il faut, tout ça. Non, franchement. Non, mon gars, y a pas. C'est pas possible. Mon gars, depuis tout petit, comme ça, je t'entraîne. En c'est fait, moi qui t'entraîne dans mon bing bang. La trottinette, elle est volée. Dire, imagine, tu vas rencontrer les personnes à qui ça. Ah ouais, ça, c'est volé, ça. Bah ouais. Tu vois, ils ont volé ma trottinette. Je sais pas si. Mais là, si tu veux, là, j'ai une voiture de Lamborghini, là. Ah ouais? Et je peux monter dedans? C'est conduire? Mais oui, je sais conduire. Vas-y. Elle est là, ma voiture. Pardon? Elle est là, ma voiture. Mais Ah gros, il y a ma Lamborghini, là. Quelle Lamborghini? Ouais, j'ai même pas 5 places. Il y a deux places, tu vas voir quoi, Lamborghini, deux places. Tu crois que je monte à l'arrière? Mais vas-y, toi, casse-toi. T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse. Vas-y, bah, fous quand, alors, frère. Ah, ça va? Ça fait un moment, t'attends? Ça fait longtemps. Ah ouais? Ne t'inquiète pas, moi je suis toujours en mode bing bing. C'est parce que j'ai eu un souci là, le petit Yaya il voulait me vendre une trottinette mais j'avais pas trop dosé, il m'a dit 1000 balles. C'était trop. En plus je le connais depuis longtemps, tu vois. On va, je t'achète ton grec. Ok. Aïe aïe aïe, on y va, on va au grec. Comme je t'ai dit, c'est en mode bing bing, de chez bing bing. Tu vois ce que je veux dire? On va bien grec, pizza, même grec si tu veux, tout ce que tu veux, tu vois. Ça va bing bing. Mais se passe quoi là? Non, mais c'est parce qu'il nous a promis un grec aussi. Bah ouais. Ah bon? Mais oui, bah ouais. T'es sérieux, tu vas des grecs à tout le monde? Vas-y, moi je me casse. Comment ça? Ah, attends, j'oublie quelque chose. Calmez-vous, c'est la première. Vous avez vu ce que vous avez fait? Non, allez, on est nous on n'a pas ici. Moi j'attends, bon. Ah, merci. Au revoir. Ah, bon, on graille, hein. Bon, on y va. De toute façon, t'as ressenti. Putain, ma trottinette, elle a plus de batterie. Hé, une voiture. Elle est ouverte, hein. Tête. Et... Ah, mon gars, ma trottinette. Ah, mon gars, j'ai une voiture, là. Hé, mais c'est trop grand pour moi, ça. Voilà, comme ça, c'est bon, ça. Ah mon gars. Ah mon gars, j'ai vu ma voiture là. Hein? Ma petite. Petite
fais ici? T'as perdu ton chemin? Mais c'est ma voiture. Non, mais je pense que vous êtes trompé de la voiture. Tu veux peut-être que je te dépose? Non, c'est bon. Attends, je prends ma voiture. T'as la même voiture? Ouais. Mais tu te trompes de la plaque, je crois. Il faut regarder la plaque avant de monter dans la voiture. Vas-y, c'est bon, là. Je m'en vais avec ma truchée. Dis-moi, comment t'as fait pour rentrer dans la voiture? Faut faire attention, monsieur. Parce que la vitre, elle est ouverte. Si je voulais, je partais avec. Oui, ben c'est vrai. J'ai oublié. Ça arrive des fois d'oublier. Mais à ton âge, à mon avis, tu n'es pas fait pour conduire une voiture. Si moi, j'étais grand, j'aurais pris votre voiture. Oui, ben si tu étais grand, je pense que si tu étais grand, tu n'allais pas très loin avec. Pourquoi? Et parce qu'on est à Paris. Voilà, si tu veux, je te dépose. Vas-y, mets la trottinette, je te dépose. Non, c'est bon. Ça va aller? C'est électrique. Au revoir. Vas-y! Ouais! Oh, Mago Alexandra. Enfin, t'es là. Mais comment vas-tu? Ça va et donc, toi? Tu m'as appelé pourquoi là? Ouais, je vais dire, j'ai vu le frère The Grimms, je l'ai croisé tout à l'heure. Mais d'ailleurs, moi, je m'en fous du frère The Grimms là. Ça fait 6 mois. Mais oui, ça fait 6 mois, mais c'est pas grave, même si ça fait 6 mois, 9 mois. La dernière fois avec mon petit frère Brahima, je te jure, on a attrapé The Grimms, on a failli lui faire un écrasement de tête. Là, un écrasement de tête. Et il se passe quoi maintenant? Non, mais il nous a échappé. Et là, il a encore dit en courant. Oui. Pas. Mais laisse-moi te raconter en courant comme ça. Ouais, mon grand frère va venir, on va te défoncer. Parce qu'il a vu quand la dernière fois je l'ai attrapé, je l'ai cogné, il a pris de drap. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais besoin de toi à nouveau pour comment ça s'appelle pour me refaire un nouveau coup justement avec ta copine là. Ouais. Parce que il m'échappe. Je veux vraiment passer par toi pour pouvoir le récupérer. Mais le problème, c'est que la manière que son grand frère m'a parlé, j'ai pas supporté. Et j'ai envie de lui. Moi, je suis pas, comme je te dis, je suis pas un bataladé, je suis pas un fafro. Faut que je lui crase la tête, son grand frère. Et il m'a dit, je vais tramer mon grand frère. Comme un bouffon, petit bouffon de The Grimms, ça. Mais d'ailleurs, tu l'as vu, son grand frère? Tu t'es tapé avec lui? Non, je l'ai pas encore vu. Mais là, j'attends parce qu'il m'a dit qu'il va me le ramener. Mais d'ailleurs, même le plus important, je m'en fous de son grand frère et de lui. Ouais. Toi, comment tu vas? Parce que je vois que t'es toute belle là. Qu'est-ce qui se passe? L'été est arrivé là. C'est quoi merci. Ça? Merci. Non, mais moi, je suis venue juste pour parler de ça en fait. Ah bon? Ouais. Ah, moi, je pensais que tu voulais qu'on aille boire un petit truc entre toi et moi. Non. Non? Parce que de la manière que t'es venue toute sexy là, je pensais que c'était pour moi, quoi, tu vois. Ah, bon, on marche un peu, non? Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, rien de spécial. Hein. Mais bon. Attends, tu l'avais jamais vu, son frère The Grimms? Mais je le connais pas, je m'en fous de lui, je le connais pas. Bah moi je l'ai vu en fait. Ah bon? Oui, bah je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas ça le problème, c'est que tu vois The Grimms. Ouais. Bah son frère c'est le contraire on va dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Trois fois ta taille. Ouais. Il est trois fois plus balèze que toi en fait. Oh non, t'inquiète même pas, toi tu parles, moi je marche avec un gun, j'en ai rien à foutre. Toi, il peut aller pousser à la salle. Moi je le rabaisse très vite avec mon gun, il n'y a même pas de souci. On est dans la rue, on range ça. Attends, mais... Non, moi je m'en bats la race. Tu veux des il peut être 10 bars comme il veut. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Range non, ça, non, non, même ça. Toi tu m'énerves. Même voilà. Même, j'ai envie même de te tirer dessus là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je le décharge là. Voilà, non, j'en ai marre. Attends. Vas-y, tu l'as vu à quoi il ressemble? T'as pris une photo de lui que je sache que au moins à quoi m'attendre. Si un mec. Parce qu'à tout moment, un mec peut venir m'attraper derrière. La prochaine fois, tu le prends en photo, comme ça, tu me montres. Parce que moi, c'est The Grimms qui pousse mon petit Yaya à faire des conneries, je supporte pas ça. Déjà, les deux, je vais les attraper, je vais les défoncer, les deux. Déjà, même, j'ai des amis à moi, des Russes, déjà, qui marchent avec moi, déjà, qui l'ont attrapé la dernière fois, mais la Russie a s'échappé. Mais t'inquiète pas. Faut vraiment qu'on prépare un vrai plan. Parce que moi, j'en ai marre. Tu sais qu'il a tiré sur mon frère et qu'il est à l'hôpital encore. Mais oui, je sais, mais c'est pour ça, je supporte pas ça. Donc, je me suis calibré, je suis préparé et je vais lui niquer sa race. Je vais niquer sa race. Un vrai Ivoirien, 225, voilà, je nique sa race moi. Moi je n'ai rien à foutre moi, voilà. Moi je le nique et je repars en Côte d'Ivoire et personne vient me chercher, voilà, c'est comme ça. L'autre là, comment il s'appelle là? L'autre PD là. Qui? Tonton Marcel? Déjà pourquoi tu l'appelles Tonton Marcel? Tout le monde l'appelle Tonton Marcel. Et toi t'es qui pour appeler Tonton Marcel? Bref, tu t'arrêtes sur ça là. J'ai compris. Et tu sais, en ce moment il est avec Ibrahima, tu vois le mec qui est tracé comme s'il est musclé, il tape les gens, un homme coup, tout le monde tombe. Tu vois, non? Ouais. Tu vois ça, non? Ah ouais. Tout ça.
Il peut battre ça. Ça c'est le béton. C'est ça. Voilà. Lui, là, si je l'attrape là, ouais. Je vais l'attraper. Je vais l'écraser. Tu sais, quand j'étais petit, tu m'as giflé, j'étais dans le coma pendant 2 mois. Pourquoi tu me parles de ça? Non, c'était juste, tu vois. Bon, tu sais, il traîne où? Ouais, il traîne où? Deux fois, je le vois dans une rue bizarre. Il traîne souvent là-bas, et deux fois, il passe. Tu veux pas qu'on aille regarder? On y va. Il me cherche là, il va voir. Voilà, je crois qu'il n'est pas là. Hein. Non, il traîne ici. Bien sûr, je vois, il est pas là. Là, tu sais même pas où il traîne. Bon, ouais, écoute, c'est simple. Tu vas me le chercher. Tu ouais. Me le trouves. Hein. Ouais. Tu m'appelles direct. Ouais, directement. Parce que rappelle-toi ce qu'il t'a fait là. Comment il t'a pu te faire signer comme ça là? Ouais, t'as raison. Je me rappelle. Bon, écoute, dès que tu trouves, tu m'appelles. Parce que là, j'ai une course là. Ouais. Ok, vas-y, frangin. C'est grand frère. Heureusement que j'ai un grand frère. Et là, con, il m'a fait tout ça. Je vais le chercher tout de suite là, dans toutes les petites rues du quartier. Il est dans la merde, tonton Marcel. Heureusement que j'ai un grand frère comme ça. T'as vu, Hulk? Ah, vas-y, vas-y. Tu faisais quoi là? Non, parce que là, j'entends partout dans mes oreilles que le frère de The Grims, le grand frère, il me cherche. Donc, je suis en train de m'entraîner. Papa, 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 papa. Et tonton, ça bouge pas. Non, 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 mais j'imagine un peu sa tête. Tonton, parce qu'il me cherche partout. Il me cherche partout. Il me prend pour un connard, pour un bâtard à drape, pour un fafro. Moi, je vais le taper, Ibé. Ibé, je vais le taper. Tonton, c'est un poteau. Si tu veux le frère. Ah oui, c'est vrai. Là, si tu veux vraiment le frère. Ouais. Si on va le chercher. Ah, ils sont là. Il faut les malins. Ouais, c'est ça même. Non, tonton. C'est toi qui. Eh, Mike Tyson, c'est toi qui l'a frappé. Mohamed Ali, c'est toi qui l'a cogné. Viens, on va cogner l'autre. Tonton. Oui, mais là, le problème, le poteau, ça bouge pas. Ça bouge pas, justement. Là, maintenant, tu vas t'affronter. Tu vois, mec, balèze. Tu m'as dit tout le temps, tu es un vrai truc. Ouais, mais je vais te dire un vrai truc. Moi, à la base, je suis un mec qui parle pas. Moi, à la base, j'agis directement, j'ai ce qu'il faut dedans. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, viens, on va aller le chercher si tu veux. Voilà. Viens, on y va. Il n'y a pas de problème. Mais... Tonton, c'est pas lui. C'est lui là, qui est là-bas. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. C'est The Grims? C'est lui. C'est The Grims? Tonton, mais t'attends quoi, cours? C'est The Grims! Tonton! Mais comment tu as fait? Non! Toi si, tonton! Non. Le mec il est à côté de toi, il disparaît! Non, tonton, tu décolles! Non, tu décolles! Il était là là! Oh là là, tonton, t'as décollé là, grave! Malompi, tu cours comme un pingouin! Parce que la prochaine fois! Mais tu fais quoi, tonton là? Je m'entraîne! Non, mais tu t'entraînes pourquoi encore? Non, il m'a échappé! Non, tonton, toi c'est. En fait, toi. Tu sais quoi? Ouais, t'es un comédien. Pourquoi? Non, t'es un comédien. Mais viens. Non, lève-toi. Il veut où tu vas? Moi-même, j'allais le chercher. Mais si son grand frère il m'attrape, comment je fais? C'est pas mon problème. Oh, et si son frère il est là, il m'attrape, hein? Bon, Ibé, attends-moi, j'arrive. Yo, quoi le petit ailleurs? Wesh, bien quoi? Tranquille. Wesh, c'est comment? Ça dit quoi? Ah, franchement, c'est lourd. Sale propre, comme le dit ton tonton Marcel là. Tu dis Marcel de ouf là. Ça fait 2 mois là. Il veut me goumer, wesh. Il a ramené le costaud là, Ibrahima il a 2 veines qui sortent ici, 2 veines qui sortent ici avec des gros yeux comme si vous me goumez. Ah mais moi aussi frère. Moi je peux rien faire pour toi. Comment ça tu peux rien faire pour moi? Bah, tout le monde dit ouais parce que The Grims engraine le petit Yaya, fait des bêtises. C'est vrai, c'était vrai avant mais là c'est fini là. C'est fini tu vois. Franchement il faut qu'on trouve une solution pour ça. Faut qu'on va avorter ton Marcel avec ouais. Toi et ton frère. Ouais, ça c'est une bête idée. Comme ça, on nous parle direct, cash. Ouais, mais ça va être difficile ça. Ça va être difficile. Mais franchement, il voulait d'abord te goumer toi. Parce que la dernière fois, là, tu m'as taillé là sur mon téléphone sans... Après, je me rappelle même plus, mais tu m'avais taillé quand même. Avec ton chargeur là. Ah, tu rigoles là. La personne là, je peux te goumer. Hein. Je peux te goumer. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va voir tonton Marcel. Ça va être chaud quand même de le voir. Hein.
parce qu'il a la haine. Et des fois, je l'ai vu taper mon poteau, boum. Je te jure, il frappe mon poteau. Oh. Ah oui, il a mis un pénalty au poteau, le poteau l'a regardé, le poteau. Attends, quel poteau? Le poteau métal ou le poteau métal? Non, pas le poteau, le poteau métal, le vrai poteau, le poteau là, tu vois. Électrique là, pour la lumière. Mais je te jure. Mon gars, je crois pas qu'on va faire ce plan en fait. Hein. Non, il faut faire, Franchement, moi je t'ai dit, il faut faire ce plan là. Ce plan là est important. C'est ma vie qui est en jeu là. T'es chaud? Ouais. Et tu vois le mec là, en ce moment là, le salut pur, hein, il est bizarre. Okay. Il peut t'engrainer, il a fait des choses sales. Ouais. Ah, mais attends, docteur, tu me suis là? Bah ouais, je te suis, je suis passé derrière, moi je te recherche là. Il faut arranger l'affaire, l'histoire, il faut la régler là, il faut régler l'histoire. Tu vois? Il faut régler l'histoire. Bon, vas-y. Allô? Ouais, ça va, tonton Marcel? Ouais, j'ai un truc à te dire tout à l'heure, je vous ai grumps là. On a parlé d'histoire, il faut qu'on la règle, Pourquoi tu veux pas laisser cette affaire? Je t'ai dit, il faut qu'on la règle. Oui, on va la régler, on va ramener son frère, vous allez vous parler et tout. Et arrête de faire des embrouilles là, franchement. T'as beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux, t'as une chaîne YouTube, il y a plein de gens qui te suivent. T'es un influenceur, tu fais quoi? Et t'es là, tu viens t'embrouiller avec des gens dans des quartiers, tu veux pas les laisser. Mais aussi arrête d'engrainer les clashs, hein. Ah oui, hein, moi j'ai vu ça. Oui, oui, arrête d'engrainer les clashs. Ok, on va se voir plus tard.